Souvenez-vous quand vous étiez enfant, n'avez-vous pas rêvé de découvrir un trésor? La Méditerranée en recèle encore, voici l'histoire de l'un d'entre eux. Nous sommes en 2000 et l'archéologue Franck Godiot plonge dans la baie d'Aboukir, au large de la côte égyptienne. Il cherche des vestiges. En effet, la zone est connue des pêcheurs depuis plusieurs décennies. Quelques pièces ont déjà été retrouvées. Mais le site fait presque un kilomètre et il est recouvert sous 3 mètres de sédiments. L'attention du plongeur est soudain attirée par un énorme bloc de granit. Il commence à frotter le sable qui recouvre la pierre et là, un orteil géant apparaît. Il vient de découvrir les vestiges d'une cité engloutie sous la vase et le sable. Elle s'appelle Tonis Héracléion. Association de deux noms, l'un grec et l'autre égyptien. Mentionnée dans les textes anciens, on pensait jusque-là qu'elle formait deux cités bien distinctes. Ce port de commerce, fondé au 8e siècle avant Jésus-Christ, était l'un des plus importants d'Égypte et accueillait des bateaux venus de Chypre, de Vénétie et de Grèce. Les mois qui suivent, la campagne de fouilles va permettre à son équipe de révéler les 6 autres morceaux d'une immense statue de granit rose qui représente Hapi, la personnification du Nil dans la mythologie égyptienne. Et du sable émergent aussi un temple dédié à Amon-Guéreb, 2 autres statues colossales, des pièces de monnaie, des bijoux en or, des sarcophages, 16 épaves, 700 ancres. Est-ce un cataclysme qui les a engloutis ou fut-elle victime du sol instable du delta du Nil? Il reste encore de nombreux mystères à élucider et pour notre plus grand bonheur, les archéologues en sont convaincus, le Nil recèle encore bien des trésors qui ne demandent qu'à être découverts.